circumstance and by my own foolishness. And that is what makes us who we are. We are all searching for that one moment when the music captures our soul. We live for the music. We die for our music. And that's what makes us who we are. These things trouble me the most. I want to be pure, but I fall so short. Corrosion, rust, death, and failure haunt my every breath and step, and yet I live and write while corrosion bites. And that's what makes us who we are. We are all searching for that one moment when the music captures our soul. We live for the music. We die for our music. And that's what makes us who we are. While corrosion bites, it shows there's some strength in me. While corrosion bites, it shows there's some strength in me. Possibly, maybe, decidedly, I will persist. Haunt
my every breath and step, and yet I live and write while corrosion bites. And that's what makes us who we are. We are all searching for that one moment when the music captures our soul. We live for the music. We die for our music. And that's what makes us who we are. While corrosion bites, it shows there's some strength in me. While corrosion bites, it shows there's some strength in me. Possibly, maybe, decidedly, I will persist. We have a mission. We are all searching for that one moment when the music captures our soul. We live for the music. We die for our music. And that's what makes us who we are. We are all searching for that one moment when the music captures our soul. We live for the music. We die for our music. And that's what makes us who we are. We are all searching for that one moment when the music captures our soul. We live for the music. We die for our music. And that's what makes us who we are. Your suffering will be legendary even in hell. Merci Pinhead.
pour cet avertissement, maintes fois répété, mais ô combien nécessaire. Je n'aurai de cesse que de le répéter. Enfin, ça fait une répétition, mais c'est pas grave. Partie 6, on a terminé Resident Evil 8, et maintenant nous continuons à nouveau pour ce soir, hein, sur, alors on n'est pas sur PlayStation 2, vous le savez, on est sur l'émulateur, c'est bien plus simple, et on reprend tout de suite la partie, parce que déjà le jeu est beaucoup plus joli. Alors nous en étions dans la partie 5 arrivée, alors on regarde vite fait dans nos objets, on avait récupéré, vous saviez qu'il fallait refaire la poupée. Et il nous manquait plus que, on doit les avoir là, voilà, les yeux en verre. Les yeux de poupée en verre, voilà. Leur couleur est très réaliste. J'ai même pas demandé comment allait le chien. Comment tu vas? T'as l'air d'aller. Donc on a les yeux. Et ben on va aller tout de suite les mettre sur la poupée. Pour perdre de temps. Bon, on connaît un petit peu la maison maintenant, hein. Je dis ça, ça fait un petit bout de temps qu'on a joué. J'ai fait une petite pause, alors non pas qu'elle était vraiment voulue, et que... Bon bah, je n'ai pas besoin de vous le cacher. Je n'en suis pas moins humain, j'ai eu un décès dans ma famille, donc il a fallu que je m'absente quelque temps. Alors, c'est où là? Hein, on regarde vite fait la carte, je crois que c'est cette pièce là, hein, la chambre des poupées, voilà. Donc c'est celle à gauche. Donc oui, je me suis absenté un petit peu, et bon, je suis revenu. Allez. Alors, je sais pas si c'est automatique, je me souviens plus. Oui, il faut que je lui insère moi-même. Alors voilà, vous insérez les yeux de verre dans la tête de la poupée. C'est nous-mêmes. Enfin, on fait, le jeu le fait à notre place, pardon. Vous entendez du bruit dans la boîte derrière la poupée. Ok, donc il va falloir qu'on fasse l'énigme pour les mettre face à face. L'appareil a l'air de fonctionner maintenant. Très bien. Bouton de droite. Bouton de gauche. Et voilà, vous entendez un son en provenance du grand coffre. Et on n'a pas eu besoin de lire toute l'emmerde. Évidemment. Évidemment, il y a un petit fight. Quoi? Ah, j'ai zéro pellicule. Sans pellicule, ça risque d'être un petit peu plus coton. Allez, on se met tout de suite de la pellicule. On va se mettre du film 90. Bon, on va le faire en haut avec les bleus, hein. Ça m'a l'air plus raisonnable. Non, c'est pas la bonne. Il y en a une, c'est un leurre, hein. Voilà, elle c'est la bonne. Je crois. Voilà, on lui a fait très très peu de dégâts. Non, elle c'est pas la bonne. On l'a fait juste disparaître celle-là. Voilà. Allez, voilà. Voilà. Mais bon, ça lui a fait que dalle. Maintenant, c'est pas la bonne. On s'est fait encore avoir. Comment on les différencie? Mon Dieu. Ouf. C'est pas la bonne. Si on shoot tout le temps la mauvaise, ça va pas l'effectuer. Parce qu'elle se cache. C'est pas la bonne, à chaque fois je me fais avoir. Ah,
ça te fait rire, mais... Moi, ça me fait pas rire. Ah, là, c'était la bonne. Prochain coup, on pourra faire notre pouvoir spécial. Voilà, l'autre, elle est là. Coquine, enfin, petite coquine, j'aurais envie de dire autre chose, évidemment. Je vais me remettre un petit coup de vie. Hein. Je pense que c'est un petit peu plus raisonnable. On appuie beaucoup. Au bénit, toute sa force. Oh, on va faire de l'herbe médicinale. Voilà, l'herbe médicinale, elle est déjà tellement puissante dans celui-ci. Bon, on a utilisé notre pouvoir pour rien. Hein. C'est du propre. Oh, j'ai loupé le beau tir. Bon, c'est lance un fou. Oh, j'ai la manette qui vibre, je devais l'entendre. Alors c'est peut-être elle. En espérant. Ouais. Je sais pas faire le distinguo entre les deux. Les mecs dans les speedrun ils y arrivent. Ah bon, bah, de toute façon on s'en fout. Allez, on tente. Ouais, c'était celle-là. Allez, encore un shoot et ce sera bon. C'est bon, là, on en est. Elle est là. Allez, allez, espérons que ça soit la bonne. C'était pas la bonne. C'est pas grave, on va la voir. Allez, c'est bon, là, je pense. Voilà. Bon, j'ai un petit peu traîné, mais bon. Un cristal luminescent est posé sur l'endroit où se trouvait la poupée. Cristal violet clair. On va l'écouter tout de suite. Ah, cinématique peut-être. Excusez-moi. Mais. Donc là, ça nous a ouvert un nouveau passage. Mais avant, j'ai envie d'écouter. On va aller dans notre radio. On va écouter le cristal violet clair. Ça nous en apprend pas grand chose, pas beaucoup plus hein. Bon, on l'aura écouté. Alors là on va descendre je ne sais où hein. Il y a une échelle en bois, on dirait que vous pouvez l'utiliser pour descendre, oui. Évidemment. Cinématique ? Non, pas du tout. Alors là on se retrouve où ? On a le passage, alors on nous en avait parlé dans la partie 5 qui permet de rejoindre... Je ne sais plus, mais on va vite être au clair. Cinématique ? Oui. Je
crois qu'il va falloir la fuir, alors je préfère être là tout de suite. On a perdu l'appareil photo. Vous avez perdu l'appareil noir et la lampe de poche à la cave. Vous ne pouvez pas utiliser le viseur sans appareil noir. Évidemment, on peut plus faire de photos. Chapitre 7, ça est. Petite sauvegarde, ça va nous faire plaisir. Donc il va falloir qu'on retourne dans la grotte. Bah pour récupérer notre appareil et notre lampe. C'est bon. Et j'ai sauvegardé là, j'ai écrasé. J'ai pas fait vraiment fait attention, j'étais en train de réfléchir à autre chose. Oui, c'est bon. J'ai vraiment l'habitude de jouer sur PS2 en fait avec ma captation d'image, non, mon boîtier d'acquisition. Que quand je joue sur émulateur, les sauvegardes vont tellement plus vite. Donc là, on n'a plus de lampe. Hein. J'ai ramassé un soin, ok. Alors, où on se trouve là, dans la maison? Et du coup, ouais, on peut plus faire de photos. Oula. Ok, mais alors, on est où? On est là. On va courir. On va bien voir où tout ceci nous mène. On va tenter d'aller là, mais... Voilà, la porte est maintenue par une force étrange. On verra ça plus tard. Non. Oh là. Et n'importe quoi, je me... Allez, dépêche-toi. Alors pour le stress, c'est très bien. Pour le live, un peu moins. Ok, on a réussi à s'enfuir. Oh, est-ce que je fais une sauvegarde? C'est vraiment la sauvegarde du pauvre, là, j'ai honte, hein. C'est le petit joueur. Hein. Bon, en tout cas, on a vu que quand on aura l'appareil à nouveau, il faudra qu'on revienne ici pour faire des petites photos, hein. Il y a des petits secrets. Mais on est dans quelle maison, là? On est à Tachibana. Ok, donc là, c'est fermé. On peut descendre. Ouvrir la porte. Ah non, en fait, on peut monter. Qu'est-ce que ça fait si on vient là? Je me souviens plus. Hein. J'ai déjà terminé le jeu, hein, vous le savez. Mais ça fait un petit bout de temps, je me souviens plus. Et là, en fait, on ne connaît pas du tout cette maison. A priori. Il y aura beaucoup de choses à prendre en photo. Hein. Regardez, il y a encore mon truc bleu, hein, qui s'allume. La porte du réduit refuse de s'ouvrir. Vous avez beau essayer, rien n'y fait. Quelque chose doit la bloquer de l'intérieur. Vous voyez quelque chose? C'est la deuxième qu'on chope depuis le début, là. Là, dans le... Non, j'ai rien. Ah si, journal vert. Un vieux livre est rangé dans le tiroir de la table. Un peu de lecture, vous adorez ça. J'ai vu la petite sœur d'Itsuki dans le corridor. Elle a peur des inconnus, elle s'est enfuie pour se cacher. Mais pas comme d'habitude. J'ai eu l'impression qu'elle voulait me dire quelque chose, mais elle est partie sans dire un mot. Tsuki lui aurait-il confié un message pour moi? Je sais pas. Là, oui. On trouve ici, bah c'est fermé, hein, de toute façon. Il va nous le dire. Par une force étrange. Ok. Et là, pareil, c'est fermé par une force étrange. J'aime bien le plan de caméra où on voit l'intérieur.
Donc du coup, on peut ouvrir ici. Sachant qu'on n'a pas d'appareil, hein, on peut rien faire. Hein. Il y a une image magnifique sur la porte du buffet. On dirait qu'il n'y a rien à l'intérieur. Là, il y a un petit katana. Il y a une épée dans l'alcôve. Vous l'attrapez et vous la trouvez très lourde. Vous pouvez donc l'utiliser. Très bien, on a récupéré des films un peu puissants que les nôtres. Vu ça là, les petites tasses. Journal écarlate. Journal écarlate 4. À cause de Yae, Itsuki a été emporté. Pourquoi? Itsuki ne lui avait rien fait pourtant. C'est Yae la responsable de tout ça. Bon, très bien. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Et là, des coussins et un matelas humide sont rangés dans le réduit. Ouais, faut aérer tout ça, ma petite dame. Ok. Je pense qu'il faut qu'on aille là. On revient sur nos pas, là. J'ai plus vraiment la carte en tête. On va regarder ça. Non, non, ça m'a l'air très propre, ce qu'on a fait. On aurait pu monter à l'étage, mais bon. Peut-être qu'il fallait monter à l'étage. Ah, j'ai souvenir qu'ici on peut pas sortir. On s'est attaqué. Il y a quelque chose dans le tiroir. On en a déjà plein, vous savez, ça c'est ce qui nous redonne toute notre vie. On peut en porter qu'une sur soi. Cinématique. Oui, bon, alors là, on fait pas long feu. Salut les gars. On reviendra avec l'appareil. Bon, on va monter à l'étage. Qu'est-ce qui va me suivre? J'ai la bobine 5. Ok, très bien. Oui. Ça au moins ça aura le mérite de nous avoir fait comprendre que... Pas tout de suite quoi. C'est pas tout de suite, c'est pas tout de suite. Un petit coup de map. Derrière nous, on prend la petite porte. Et puis on va se diriger vers les escaliers. C'est le plus raisonnable, c'est le plus raisonnable. Voilà, ils sont juste là en plus. Non, non, sans l'appareil on peut pas faire la maligne là. Bon, au moins on sait que c'est par ici qu'il faudra aller, cinématique. Vous êtes gâtés. Mayu. Bonsoir Nictaras. Oula, oula, oula. Alors t'arrives pile au moment où c'est la mort assurée si je me fais toucher. J'espère que tu vas bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais te lire. Le chien va te dire bonsoir déjà. S'il te plaît, tu peux. Alors, il faut qu'on fuit. Mais attendez, pardon. Le pilote de ma carte graphique Nvidia a foutu le gros boxon sur mon PC. J'ai dû supprimer tout, réinstaller. J'aime pas ma vie. Ah, je connais ce genre de magouille. Et c'est très contraignant. Bon, j'espère que tout est... Là, on peut rien faire. Il faut que j'échappe aux fantômes. Mais encore. Genre, réinstaller Windows. Oh, oui, ah oui, d'accord. Oh oui, un gros... Je crois que j'ai réussi.
door. Quoi? Mais j'ai l'impression que je peux crasher à tout moment. À chaque moment, on peut te perdre? À chaque moment, on peut te perdre, Nyctaras? Et tu nous dis ça comme ça? J'étais pas prêt. Hein. Bon, bah d'accord. À chaque moment. À chaque moment. On peut perdre Nyctaras. Faut que tout le monde en soit conscient ce soir. Il y a une petite clé sur l'étagère. Ça peut peut-être nous sauver et t'aider aussi. L'emblème d'un... Oula, que t'arrives à lire ça, toi? L'emblème d'un Polwania est gravé sur la clé en laiton. Très bien. J'adore les clés en Polwania. Sur l'étagère, il y a une poupée portant un cordon rouge. Le kimono est exactement le même que celui que portait l'esprit que vous venez de voir. Entrez. Why did you leave me back then? Bah parce que vous me voulez du mal. C'est pour ça que je vous ai laissé. Elle est la clé en laiton, là. Oh putain, il a failli m'avoir. Oui, oui, j'utilise la clé. Et je me casse. Oh, elle a failli m'avoir, la coquine, là. Cinématique? Cache-toi vite. Bonsoir Lera, le chien s'il te plaît. Et elle a encore fait craquer le plancher, cette gourdasse. Attendez, je regarde la carte. J'espère que tu vas bien. Nyctaras peut disparaître d'un moment à l'autre. Hein. Il faut que tu en aies conscience, Léa. Il peut disparaître d'un moment à l'autre. Il a un problème avec son ordinateur. Attendez. Je parle et j'ai pas regardé. C'est sur ma droite. On s'en va. Parce que nous, pendant ce temps-là, au moment où Nyctaras peut disparaître à chaque moment... Nous, on peut se faire tuer par la méchante. Par où on peut passer? Ah non, mais je me suis trompé. Voilà, déjà je me suis trompé. C'est tout droit. Bon, j'espère que vous vous portez bien. Mis à part ces petits soucis informatiques. Alors, vous étiez pas là au début, mais la porte est bloquée. De l'air froid passe par la fente de la porte. Peut-être mène-t-elle dehors? Je n'étais pas là pendant quelques jours. Parce que j'ai eu un décès dans ma famille et j'ai dû aller à Bordeaux. Il y a une poupée sur l'appareil, sur l'étagère. L'appareil comporte deux boutons. Peut-être fonctionne-t-il comme l'autre appareil que vous avez vu? Non, j'ai pas vu d'autre appareil, moi. Yes, je connais l'affaire. Zéro amélioration depuis tout à l'heure, Nick. Ah, vous êtes déjà au courant, il t'a déjà mis au parfum. T'es une vénarde. Je me souviens plus. Mais faut que je retourne reprendre la poupée. Bah, ils me font faire du backtracking là. Oh, sérieux. Ah merci Nyctaras. Oui, c'était pas très simple, c'est pour ça que j'ai pas eu envie de streamer. Hein, j'ai pas envie de me forcer à rigoler alors que j'ai envie de chialer, par exemple. Là ça va un peu mieux. Allez hop, on prend la poupée. Une poupée en kimono blanc est posée sur l'étagère. Allez hop, on la ramène. Un cordon rouge, oui, on est au courant. Entrez. Why didn't you come back? I kept waiting. Bah oui, mais moi je suis pas revenu, madame, et bien sûr, mais parce que vous me voulez du mal, hein, je vous l'ai déjà dit. La ficelle qu'entend pas. Oh putain, mais ça fait deux fois là, hein. Ça fait deux fois qu'elle me frôle le cul. Y'a pas d'autre mot. Y'a pas d'autre mot. Elle me frôle le cul. Allez, on met la poupée. Oui, bah merci Léa. J'ai l'habitude de mettre le chien. Pardon.
Là, c'est ben voilà, j'ai eu 42 ans le 15 mai et bah plus on vieillit, plus on perd des gens autour de soi, voilà. C'est l'éternel retour du concret. Vous mettez la poupée cordon rouge sur l'appareil. Bah oui, on dirait que le mécanisme s'est mis en marche. Bah, très bien. Sur quel bouton appuyez-vous? Ah, il faut les mettre face à face, je pense. Qu'est-ce que t'as écrit comme saloperie, Nectaras? Ben moi j'ai supprimé Windows, mais je pense que je vais devoir y aller à la manière forte. Ou alors directement voir LDLC pour qu'il fasse le taf. Ah, ça me fait chier. Je peux bien comprendre. Allez, bouton de gauche. Bouton de gauche. Bouton de droite. Bouton de droite. Il a un bon bouton de gauche. Regardez-moi ça. Merde. Vous appuyez sur le bouton, mais les poupées ne bougent pas. Ne bougent-elles qu'un certain nombre de fois? Ouais, donc on a merdé. On commence. Et oh! Vous sentez une présence forte près de la porte. Elle se rapproche. Non, non, mais moi je veux utiliser ça. Non, 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 il faut pas qu'on se plante. Je l'avais fait du premier coup. Bouton droit. Bouton droit. Combien de fois on peut le faire? Je suis en train de faire n'importe quoi. Alors je vais pas mourir là, il faudrait que je refasse tout, ça me fait chier, hein. De tout de suite. Non mais c'est dégueulasse. Non là c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Mais t'as pas besoin d'installer, il suffit juste que tu regardes le stream. Bah moi y a rien à faire avec mon machin. Je suis désolé les loups, je vais pas rester. Je ne peux plus rien installer en fait. Même le menu démarre reste affiché comme un con. Plein de bisous les petits pots. Mais t'as juste à regarder. Oh là 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 là. On n'y arrivera jamais. Non bah écoute Nictaras. Moi je te conseille d'aller prendre la tablette de ta femme. Peut-être que je pourrais t'aider hors ligne. Parce que je m'y connais pas mal en informatique. Je peux même pas regarder mon bon ami tout foire. D'accord. Ah forcément oui. T'as même pas un petit téléphone. Voilà. Voilà quelqu'un. Voilà. Voilà de quelqu'un d'avisé. Léa, elle a complètement raison. Cinématique. On l'a déjà vu cette cinématique, on peut la passer. Il aura toujours une bonne excuse, il veut partir. Laisse tomber Léa. Et après il va nous dire qu'il a des problèmes aux yeux. Prochaine chose, il va nous dire oui mais j'ai une poussière dans l'œil depuis un an. Ah oui, en plus, attends, j'ai 11% de batterie sur mon portable et ma prise ne fonctionne pas. Et l'électricité va m'être coupée. Alors il va nous dire ça. Il va nous dire que l'électricité va lui être coupée. Ça y est, déjà parti. Il a préféré pas répondre là.
Allez, on passe à la cinématique. On sait que c'est ici qu'il faut prendre la petite poupée. C'est quand même idiot qu'elle prenne pas la poupée du premier coup, hein. Allez, on a la clé. Mais prends-la la poupée, ça nous fait faire un aller-retour pour rien. Mayu, elle est pas finaude. Chaque fois je me fais avoir avec l'angle. Hein. Oh là là. Je me souviens, j'avais réussi du premier coup, moi, first try. Manette qui vibre là. Allez. Allez, on passe la cinématique. Hop. Bon, faut réussir cette fois là, Romain. Non, là on revient sur nos pas, je me fais pas avoir. La porte est bloquée. Ah oui, non, ici, il faut aller chercher la poupée à nouveau. Bon, les enfants, on va bientôt streamer Fatal Frame 4. J'ai pas envie de dire que tout est prêt, mais presque. En français. Normalement, il devrait y avoir 1 milliard de gens. Parce que personne ne peut le streamer, personne n'arrive à le faire fonctionner. Moi, j'ai réussi, évidemment. Tourne sur mon disque. Mais quoi? Prends la poupée. Anna, elle veut pas prendre la poupée parce que j'ai pas checké le truc. Oh là là. C'est rien. On a l'habitude des jeux de merde. On en a fait un commerce ici. Elle veut déjà que je check ça. Il y a une poupée sur l'appareil, voilà. Et oui. Et maintenant, elle veut bien aller chercher la poupée. C'est un petit peu agaçant, ces trucs-là. Hein. C'est vieux, hein, quand même. J'aurais dû faire la version Wii. J'aurais dû faire la Project Zero Wii Edition. Oui, nous, on n'est pas Mayu, on est Mio. Pardon. Depuis tout à l'heure, je dis Mayu. Là, on prend la poupée. Alors, faut pas qu'on se trompe, hein. Alors, je sais pas si j'avais eu de la chance. Why didn't you come back? Mais la première fois, j'avais réussi le premier coup. I kept waiting. Alors, j'avais fait au pifomètre, évidemment. Oh, 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 oh. Évidemment, j'avais fait au pifomètre. Mais, je sais pas, d'habitude, le pifomètre me... Mais putain, à chaque fois, repart dans l'autre sens. Le pifomètre, souvent, m'est favorable. Alors, je comprends pas, là, ça veut pas... Je crois que je stresse. Alors, sur quel bouton appuyez-vous? Le bouton de gauche. Bouton de droite. Ça va pas être ça, putain. Bouton de droite. Et bouton de gauche. Ah merde. Ah, j'ai du bol. J'ai du bol, merci, merci, merci Dieu. Merci Dieu, bordel. Ah, c'est bon. J'avais été vénard aussi la première fois. Parce que là, je l'ai fait complètement au pif. Hein. Non, non, on va y aller, madame. Allez, c'est bon. C'est du bien joué, ça fait plaisir. Ça vous plaît? Oh. C'est moi qui l'ai fait. Ça fait plaisir. Parce que bon, refaire une troisième fois, bon, ça n'aurait intéressé personne. Hein. Moi le premier. Donc maintenant que nous sommes là, vous êtes bien d'accord qu'il faut qu'on retourne dans cette grotte de l'enfer. Donc premier escalier, on descend quoi. Hein. Puis si on pouvait faire une petite save, hein, ça serait pas du luxe. Moi j'aimerais bien faire une petite save. Par exemple ici là. Faut sortir ici là, de quoi? Eh oui, évidemment c'est verrouillé. Par contre on a une nouvelle bobine. Je crois que c'est ici la salle de projection. Oui,
Alors on va se regarder, c'est la bobine 5 qu'on a trouvée. On veut changer de bobine. On veut regarder le film 5, s'il vous plaît. On l'a jamais vu. Bah quoi? Alors c'est la bobine 7, peut-être. Alors c'est jamais des films passionnants, hein. Vous attendez pas à Inception ou Tenet, hein. Si vous entendez un bébé hurler à la mort, c'est pas dans le jeu. C'est le mien. On l'a déjà vu ça, on l'a déjà vu, on l'a déjà vu. Elle se cache parce que je sais pas quoi. On l'a déjà vu. On l'a déjà vu. Bon, ça nous dit pas. Normalement, on peut repartir par autre part, hein. Il y a une autre porte. Bon, ce qui nous intéresse quand même, c'est de sauvegarder. T'as aimé Tenet, toi? Bah écoute, j'aimerais bien le revoir. J'ai trouvé ça intéressant. J'ai trouvé ça. Non, mais j'ai trouvé ça très prétentieux. J'ai trouvé ça super prétentieux, mais en même temps, j'ai envie de le revoir. C'est très très prétentieux. C'est un film très très prétentieux. Hein, j'ai rarement vu un film aussi prétentieux. Mais j'ai quand même envie de le revoir. Bon, on était là. Et il faudrait qu'on aille. J'aimerais bien faire une save. Hein. On va faire le tour. Hein. Juste derrière moi. Bah non, c'est là d'où je viens. Bon, on reprend l'escalier. Ouais, tu t'es d'accord avec moi? Bon. On est d'accord. Oh oui, c'est très prétentieux. C'est de la branlette. Enfin, on n'est pas loin de la grosse branlette d'un télo quand même. Hein. Et qui en plus n'est même. Oui, de la branlette d'un télo, voilà. Allez, est-ce qu'on a quelque chose à ramasser par ici? Des fois, des fois ça repop, hein. Faut que les gens le sachent. Non, y a plus rien. Moi, ce qui m'importe là en priorité, je vous le dis tout de suite, avant de vous parler de Tenet, c'est de faire une save. Je n'ai pas du tout envie de refaire la séquence avec le fantôme qui peut me happer les couilles. Hein. Ça m'intéresse pas du tout. Toi, ça t'intéresse le chien? Ça l'intéresse pas du tout non plus. Évidemment. On a vu qu'il y avait un escalier là. On va le prendre. Ah bon, on peut sauvegarder ici. Bon, ça c'est parfait. Alors, et après, ce qui nous intéresserait de faire, c'est de retourner dans la grotte pour reprendre notre appareil photo. Et pour ce faire, il faut retourner dans la chambre de la poupée. Non, le film, je l'ai regardé avec mon père et je l'ai regardé avec Vénus. Je me suis endormi. Hein. Je me suis un peu endormi, mais en même temps, j'ai vu que. Bah, j'ai vu qu'il avait envie de faire quelque. J'ai vu ils avaient envie de faire quelque chose. Hein. Mais bon, c'est de la branlette d'un télo. C'est prétentieux. Parce que. Il y a beaucoup de sous pour remettre en forme cette idée, mais sinon, l'idée en elle-même, bon, bah, c'est zéro, quoi. Oula. Ok. Non. Pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. On en a vu d'autres. Je sais exactement où aller, donc vous inquiétez pas. N'ayez pas peur. Je sais exactement où aller. Je refais une petite save là, vite fait. C'est la save du pauvre, mais bon, allez. Ça va tellement vite, regardez. Allez, hop là. C'est bon, on a déjà sauvegardé là. Ah, pareil, moi je me suis endormi aussi. Bah voilà, en règle générale, chez moi, c'est signe que le film sent mauvais, oui. Et pour, oui, pourtant j'avais pas envie, mais bon. Et je m'endors rarement. Non, mais bon. Il y a des gens qui aiment bien se faire plaisir. Mais bon, ceci dit, il y a des films bien plus merdiques. Donc. C'est un peu le film genre, vous avez vu, vous avez rien compris, bah moi aussi, mais vous avez vu, c'est drôlement intelligent, quoi. C'est bon, il va pas nous avoir. Alors et on va se venger après une fois qu'on aura l'appareil photo pour tous les malheurs qu'ils nous ont fait. Allez hop, on retourne dans la maison des poupées. Parce que moi ça me gêne pas hein, que les choses puissent être complexes et tout.
Là, c'est complexe pour faire chier, quoi. Incohérent, tiens, pas de bon. Allez, mon appareil il est là-bas. Comment il s'appelle le réalisateur, s'il te plaît? Il y a une lampe de poche et un appareil photo au sol. Allez, hop, c'est parti. Comment s'appelle le réalisateur, s'il te plaît, Léa? Je me souviens plus. La lampe de poche, évidemment, c'est bon, on est bien. Cinématique? Pas du tout. Eh, je suis pas fou, hein. Il y a eu de la lumière bleue, là, hein. Voilà. Ouais, mais là, c'est du complexe en profondeur. Le mec s'est perdu lui-même dans son concept. Du coup, on n'accroche ni à l'histoire, ni au personnage. Exactement. C'est vrai qu'en plus, les personnages ne sont pas du tout attachants. On s'en fout un petit peu de leur sort. Le Black, je trouve qu'il joue... On s'en fout qu'il meure ou qu'il meure pas. Alors, homme brisé. Ah bah, il a été brisé par les pierres. Ok. Ça nous fait un peu de sous. Allez hop, on remonte. Nolan, voilà. Mais il fait des bons films normalement, Nolan, non? Qu'est-ce qu'il avait fait? Très mauvais pour me rappeler ce que les réalisateurs font. Christopher Nolan. Christophe, qu'est-ce qu'il a fait, Christophe? Une petite save. Une petite save du pauvre, on a l'habitude. Bon, maintenant on va pouvoir se venger. Ah. Bon, déjà je me souviens qu'ici on pouvait faire une petite photo. Voilà. Pour déverrouiller le charme de la porte. Memento, The Dark Knight, ah bah voilà, Memento c'est très bien, The Dark Knight j'aime beaucoup, enfin j'adore même. Oui voilà, mais non mais, il faut que je revoie le film. La présence que vous avez sentie devant la porte est partie. Très bien. Alors, qu'as-tu donc dans ton panier, petite salle? Ah mais c'est encore une salle de projection. Qu'est-ce que ça veut dire? On est dans une autre, nouvelle... un nouvel endroit du... Ah quoi, il marche plus ma manette? Il peut plus me montrer la carte? Ah oui? Ma manette ne veut plus me montrer la carte. Interstellar! Oh là là, j'adore Interstellar. C'est fou ça que dans cette pièce je pouvais pas voir ma carte. La pièce semble verrouillée. Ici on a bien du film. Bobine 6. On va se regarder un petit film. Il y a un trou là. Mais c'est fou hein, à chaque fois qu'il y a un changement de plan que ça m'emmerde comme ça. T'as aimé toi Interstellar? Léa, sous le plancher cassé, vous apercevez un trou qui ressemble à un puits. De l'air froid et le souffle du vent émane du puits. Là, moi, je fonds de tête baissée, hein. Je monte. Je sais pas où je vais, mais j'y vais. Oui, il y a quelque chose. Allez hop, film 14. Est-ce qu'on se remet un petit peu de vie quand même pour pas faire trop les cons? On en a plus beaucoup là. On en a plein tellement de l'herbe médicinale, ça serait con de mourir. C'est préféré ça à Tenet carrément. Ah oui. Complètement. Ah ah ah, non? Je sais pas où on va, on y va. Hein. Vous avez trouvé du matériel photo? Ah! Acquisition de la lentille améliorée 0. Alors 0, c'est très très bien. Hein. Effet. Augmente les dégâts, refoule. Pouvoir spirituel requis 3. Amélioration, augmente les dégâts. Non, ça c'est très très bon. On va tout de suite l'équiper. C'est celui que j'avais équipé pour la première fois. On va aller dans notre appareil photo. On va aller dans... c'est dans quoi? C'est pas les pellicules, c'est pas les fonctions. C'est ici. S'équiper, voilà. On peut pas en mettre un autre.
Et on peut mettre je veux 0. Voilà. On peut passer, on peut switcher de l'un à l'autre hein, maintenant. Et par contre, on a 6300. Ok. Bon, on peut rien faire avec 6300. Allez, on se casse. Alors normalement, quand je prends mon appareil maintenant, je peux changer de... Je prends une photo, quel con. Je peux changer de filtre. Bon, c'est pas grave, on a 0. Là, il va y avoir quelque chose à lire. Et voilà, évidemment. Journal vert 4. J'ai reçu la lettre de Monsieur Maccabée. Alors, Maccabée, c'est le professeur. Hein. Me demandant de quitter le village et de rentrer sans lui. C'est Yaé et Saé qui m'ont apporté la lettre. Elles m'ont dit que les étrangers ne pouvaient pas rester en raison d'une célébration imminente. Monsieur Maccabée, lui, dispose d'une autorisation spéciale. J'ai chuchoté à Yaé que je viendrai pour elle et sa sœur le jour de la cérémonie. Yaé se crispa, lui fit comme si elle n'avait pas entendu et s'en alla. Peut-être envisage-t-elle de s'enfuir avant la cérémonie. Auquel cas, Itsuki se trouverait quelque part dans le village. Très mal traduit. Dommage. Très très mal traduit. Je vous ai dit, hein, j'ai essayé la version Wii U. Et là, au moins, on comprend mieux. C'est pas une traduction littérale. Ils ont joué le jeu. Enfin, ils ont joué le jeu, ils ont fait leur travail, surtout. Des boîtes sont entassées au fond de la réserve. Toutes les boîtes sont fermées. Vous ne pouvez pas voir ce qu'elles contiennent. Ah, il y a quelque chose par terre. Bah, de l'eau bénite, ça fait plaisir. Ça fait plaise, comme disent les jeunes. Allez, on continue notre périple. Il y a encore plein de portes en bas, mais bon, comme ça, c'est réglé. Notre périple s'arrête là. On redescend. Il reste encore plein de charmes à désinguer. Hein. Non, c'était pas là ? Ah, c'est ici. Autant pour moi, autant pour moi. Allez, on reprend la petite porte. Alors là, il y en a deux, on va prendre celle-là. Hein. C'est par où l'on vient. Hein. Par contre, j'ai envie de savoir, l'autre donne sur quoi? Je pense qu'elle était fermée. Hein. Con comme je suis, je vais aller vérifier, évidemment. Non, ça sert... Là, on peut changer la bobine, là. Oui, d'accord. On l'a regardé, la 6? Ah, je sais plus. Déjà, si on se met pas bien. Qu'est-ce que ça nous montre? Ok. T'as un plan fixe donc. Là, ça s'ouvre. Bah, ça, on l'a vécu en direct. Hein, vous vous souvenez? Hein, c'est au tout début du jeu quand elle sort comme ça. C'est la femme du topographe. Ouais, t'es génial là. C'est qu'il la fasse sortir comme dans Ring de. Des trucs de projection. Non, ils n'ont pas fait. Là, c'est pareil, hein. Regardez, c'est bleu-bleu là. Hein. Pas fou. Alors, des fois, c'est bleu-bleu, mais parce que c'est plus loin. Ouais, genre. Genre là. Voilà. Là je devrais... J'en ai 69. Allez hop. On utilise les filtres moyens. On repasse pas par le milieu. Déjà c'est contraignant comme ça ce jeu. Que j'adore. Hein. J'en dis du mal. Qui aime bien châtie bien. J'en dis du mal mais parce que je le connais. La présence que vous avez sentie devant la porte est partie. On a rompu le charme. Quoi? Espèce de petit... En tout cas, c'est joli. Oh, oh bah lui, il est bien sec. Il a l'air bien sec, monsieur. Petite photo souvenir que je revendrai sur le dark internet.
Par contre, faut pas me détester, hein, mais je vais pas tarder à me coucher. Ah bah bravo. Je repasserai une dernière fois demain. Après, je go rejoindre les amis Nicta et Eve quelques jours. Ah oui, c'est très bon. Ben moi, demain, je ne suis pas là. De toute façon, je pars en Normandie 3 jours. Voilà, comme ça, comme quoi, comme la vie est bien faite. Bah, c'est bien, c'est sympa. Tu les embrasseras de ma part. Parce que ça se trouve, Nictara, je vais pas le revoir parce que son PC marche plus. Une sorte de momie est assise sur la commode. De toute façon, là, j'ai fait quoi? J'ai fait 1 heure. Le tiroir entrouvert est vide. Ok. Mais il y a bien quelque chose qui brille là. Regardez, on le voit bien qu'il y a quelque chose qui brille. Je suis pas fou. Hein? Regardez, quand même. Une sorte de momie. Oui, je sais la momie. Je sais. Moi, je vais ouvrir ça, s'il vous plaît. Ou pas? Ou fou ça, cette histoire? Ah mais on peut pas la porter, bon ça c'est réglé. Bon je fais le tour hein. Bon là c'est pour partir, mais attendez, il y a bien quelque chose qu'on a loupé là, dans ce petit dire un petit jardin, alors que c'est à l'intérieur d'une maison, c'est rigolo. Oui, on se fera des sessions de TGE à 3. Ah bah oui, ça sera très bien. Ça sera fantastique. Allez, encore un petit peu de lecture. Itsuki m'a demandé de garder la clé de sa chambre. Allez, alors, il m'a interdit de laisser entrer quiconque. Il m'a demandé de donner la clé à son ami s'il venait. C'est vraiment très mal traduit, on comprend que dalle. Je suis ravi qu'il m'ait confié une tâche d'une telle importance. L'ami d'Itsuki est venu, j'ai eu peur alors je me suis caché. Oui, très bien. Je n'ai pas pu lui donner la clé. D'accord, mais elle est où? Bon. De nombreuses offrandes ont été placées sur l'espèce d'autel. Non, mais ça va être très sympa quand vous serez tous les trois. Moi, je rentre, je sais pas, je pars demain et je rentre dans 3 jours. Cette pièce servait peut-être dans le cadre de rituels. Bon, très bien. On a tout vu là. Allez, Mio. Prends ton courage à deux couilles. Hop. On va passer par là. Hein. Bah, dis-moi quand tu pars, Léa. Et moi, j'irai sauvegarder comme ça. Tu recommenceras. Ah, ce qui serait génial, ça serait de commencer Fatal Frame 4 alors que t'es avec Nyctaras. Bon, faut bien qu'on termine celui-ci quand même, bordel. J'ai commencé à faire toutes les parties, j'ai envie de tout mettre sur YouTube. J'aime pas finir un jeu. Oh non. Enfin, je l'ai déjà terminé moi, mais bon, j'ai commencé sur YouTube, je veux le terminer. Ça marche. En tout cas, d'ici là, je te souhaite une belle soirée, à très vite et bon voyage aussi. Merci Léa. Le chien t'embrasse aussi. Hop. Allez, on se revoit chez Nyctaras. Ok, donc on est revenu ici. Et du coup, on se souvient, on peut aller à gauche là. Attendez, attendez, il y avait un truc qui brillait. Voilà. Il y a un truc qui brille là. Ouh, hein, je suis pas fou. Là, il y a un truc qui brille plein pot là. Ça se trouve, c'est de l'autre côté. Hein. Le jeu est coquin. Hein. Ouais, c'est de l'autre côté, c'est de l'autre côté. Pas le tour. Ouais, bah en fait c'est là, voilà. Je me suis pas fait avoir là. Elles sont maintenues par une force surpuissante. Mais je viens de faire de rompre le charme. Vous êtes sérieux? J'ai pas regardé. Ça a montré quelque chose de spécifique? Ah, mais j'ai mal fait la photo. Autant pour moi. Ça arrive même au meilleur, en voici la preuve. La pression, ce que oui, voilà, on va pas relire à chaque fois. Et maintenant, on peut ouvrir. Ok, nous sommes jamais venus ici. Hein. Enfin, si, plein de fois. Ok.
Ok, l'eau bénite. La petite pendule de... Hein, j'ai failli être vulgaire, là. Non, ce que nous, on veut, c'est sortir de cette maison. Donc, on prend les escaliers. Mais la sortie, elle est là. Ouais, je sais plus. Attendez, je sais plus. Là, c'est la petite pièce de merde. Là, on a l'étage. Je suis où, là, moi? Je suis où, moi, dans ce fourbi? Je continue. Ne sois pas désolé, qu'est-ce qui s'est passé? Ma sœur. Mayu en pleurs. Chiale pas, Mayu, on va te sortir de là, je vais ouvrir la porte. Mayu se trouve dans cette pièce. Vous l'appelez? Mais elle ne répond pas. Cette porte présente une serrure sur laquelle est gravée une cloche. Kimono et Carla, attends, on l'a pris en photo, c'est bon. Give me back my brother. On va te rendre ton frère. Dévorer la porte. Ça, c'est très bien. Ça prouve qu'on est sur le bon chemin. Ah. Il y a de la clochette par ici aussi. Journal écarlate 2. Le jour suivant la cérémonie, mon frère Itsuki est rentré seul. Ses cheveux avaient blanchi en une nuit. Où est passé mon autre frère, Mutsuki? En plus, ils sont 50 000 à avoir le même nom, ça va être... c'est compliqué toujours. Hein. Depuis la disparition de Mutsuki, Itsuki refuse de parler. Il reste gentil avec moi, mais son regard est triste. Que s'est-il passé le jour de la cérémonie? Itsuki m'a donné une clochette. Comme je n'ai pas de bons yeux, la clochette l'avertira dès que je serai en danger. Itsuki m'a dit qu'il se précipiterait dès qu'il entendrait la clochette. Il m'a dit qu'il me trouverait où que je sois. Ok, faut qu'on suive la clochette. Et voilà, c'est des jumeaux, il y a une fille. Une vieille photo avait été oubliée dans le journal intime. Alors moi je lis les journaux intimes, je suis comme ça, moi j'en ai rien à foutre quoi, de la vie de privée des gens. Bon. Ah. Vous entendez du bruit sous le plancher, il y a peut-être quelque chose là-dessous. Ah oui, je l'entends clairement. Donc on est là, ça sera en dessous. On est pas fou, hein. C'est là. Donc ça sera en dessous ici. Faudrait qu'on prenne l'escalier, quoi. Ok, encore une petite plante. Ah non, ça va être ici. Je me souviens. Il est là, le coquin. Il est dans le placard. On l'a vu dans les films. Voilà, cinématique, vous êtes gâtés. Oh mon Dieu! Allez, prends ça. Pardon. Tir zéro, allez. Du bien joué. Quand c'est du bien joué, on a le droit d'être content quand même. Hein. Il est où? Ouh, c'est beau ça. Cadrage fatal. Bien sûr, madame. Je vous en reprendrai bien un peu. On a notre pouvoir spécial maintenant. Hein. Je lui ai fait mon pouvoir, mais ça n'a pas marché, je pense. Allez. Je cours un peu. Pleure pas. Normalement le noir.
si la lumière pouvait revenir, ce serait très sympa. Tic. La tension est au maximum, je le sais que chez vous. Hein, alors, serrez les coudes, mettez un glaçon sur vos couilles. Non, c'est pas par là. Il est là. Merci pour la lumière. Oh là là. Ah, fort le petit cœur bien accroché. Hein. Ah, c'est pas possible. Il est où ce coquin? Il est juste derrière moi. Alors sans la lumière, c'est moins simple. Hein. Il va encore m'attraper, hein, c'est sûr. Je vois rien. Pas de la mauvaise volonté. Hein. Je me souviens pas d'avoir galéré la première fois. Déjà je le vois pas parce que je le vois pas, et puis après je le vois pas parce que je sais pas où il est. Oh c'est chiant hein. Sa lampe torche elle marche plus du tout là, comme par hasard. Alors, faut peut-être descendre les escaliers. Peut-être un combat en plusieurs étapes. Peut-être. Ah si. Ah oui. Putain, mais quel con. C'est ça en plus. Allez, allez, allez. Oh oui, c'est beau. Ah, je l'ai eu. Allez, ça me fait plus mal qu'à toi, hein, mais j'étais obligé. Journal écarlate 1. Il fait nuit noire. Dedans comme dehors. Il n'y a personne dans la maison, mais je sens une présence. Itsuki, aide-moi, j'ai si peur. Je ne peux pas sortir du réduit. Aide-moi, Itsuki. Ok. On en a eu un. On fera les autres dans la prochaine session. On s'arrêtait là pour ce soir. C'était Project Zero, la partie 6. Alors, une petite partie. Mais bon, faut bien que je me remette dans le bain. 1h13 de live, hein. Ça va. Ça va, je reçois plein de messages encore là sur Twitter pour me dire de continuer, mais bon... Fatigué, je suis un petit peu fatigué, faut que je m'occupe aussi de ma famille. Hein. Je choisis pas ses parents, je choisis pas sa famille. Allez, je vous laisse sur mon excellent générique de fin et je vous dis à dans 3 jours. Normalement, c'est tous les soirs à 21h30, mais là, ça sera dans 3 jours parce que je pars en Normandie. Voilà, je suis normand, je vais aller voir ma famille. Allez, je vous embrasse tous et profitez bien de mon excellent générique de fin parce que vous allez voir, il a pas l'air comme ça, mais il est vraiment très bien. Allez, tchuss.